montrer une manipulation qui permet de tendre sans une grippe. Certains l'ont déjà vu avec des systèmes avec deux poulies. Ça c'est un système qui est possible seulement avec les rhinos. Je crois qu'il est aussi possible de le faire avec les équilibriums. Ce qui se passe, c'est qu'il faut compléter d'une grosse manille, du système de tension et avoir une élingue en plus et un lasso. Ce que vous faites, vu qu'on a la place, vous passez un machar à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Vous le mettez hop, au niveau du système de tension. Voilà. Alors, le machar normalement est donné pour 500 kg, du coup là on est à une tonne. Faut prendre soit une corlette en dynéma, soit en kevlar, c'est le mieux parce que ça résiste à 2 tonnes et ce sera beaucoup plus solide. Voilà, bien sûr, on fait la prétension. Voilà, c'est en place. On a juste à attendre. Alors, faut prendre le bon brin, pas se gourer. On prend le renvoi, voilà, pour gagner un peu plus de temps. Voilà. Alors voilà, quand on a assez rappelé, là on tend bien. Voilà. Au niveau du delta, on peut prendre une autre manie, ça fonctionne aussi, peut-être même mieux. Alors là on va faire des grandes boucles. Alors, il y a deux méthodes, vous pouvez faire ça ou la faire par l'intérieur, ça fonctionne aussi. Ça c'est peut-être moins casse-pied, vous pouvez repasser à chaque fois à l'intérieur. Attendez, vous faites à l'envers, mais il faut bien penser à les remettre à chaque fois en dessous. Vous avez la même situation. Voilà. Alors là, il passe minimum 5 ou 6 fois le tour. Alors ça commence à être dur. Donc, voilà, on prend les boucles, on fait notre nœud d'arrêt. Alors voilà, et après pour défaire, il n'y a plus qu'à défaire le lasso. L'astuce c'est d'avoir la plus grande élingue en bas là où il va y avoir la sangle. Parce que ça va permettre d'avoir une différence et d'éviter de ravaler. Après, il faut bien faire son calcul. Sinon, il y a possibilité d'utiliser un multiplicateur d'amarrage sur lequel vous allez brancher les poulies en haut. Ou inversement, ça va être plus facile si c'est en haut. Et après, de se brancher, de mettre le... Faire exactement la même chose en se branchant après sur avec un delta ou une manille directement en bas. Sachant que les... Tout dépend des multiplicateurs d'amarrage que vous utilisez, mais c'est compatible avec les grosses manilles. Donc avec deux grosses manilles et un multiplicateur d'amarrage, c'est peut-être ce qu'il y aura de plus simple. Voilà.